Je prends un exemple avec cette machine. C'est pour ça que je suis venu avec. Alors, cette machine, c'est un MacBook Air. Je vais enlever ça. C'est un MacBook Air. Alors, quand vous partez en ligne, vous achetez l'ordinateur, on vous vend l'ordinateur, c'est tout. Achetez votre ordinateur, vous êtes content. Sauf que si vous l'utilisez comme ça, il va très vite se dégrader. Produit complémentaire, la pochette. Qu'un produit à part. Mais qui est adapté à ce produit. Parce qu'on sait que quand tu vas l'utiliser, il va se rayer. Un jour, tu vas rester comme ça, tu dis non, mon ordinateur est trop rayé. Il faut que je mette un produit pour le protéger. Parce que je pourrais le revendre après pour acheter un autre. Il ne faut pas qu'en voulant revendre, on dise que c'est trop vieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter la pochette. Je vais mettre mon ordinateur dessus. Je mets la pochette. J'ai protégé. En fait, je viens de dépenser plus. J'ai acheté deux produits. Et ce n'est pas terminé. Parce que maintenant, je vais utiliser mon ordinateur. Et puis, je vais être connecté là sur Telegram. Je viens d'ouvrir le Claudel Noumbissé Business Group. Et on vient d'envoyer un document. Je clique sur le document. Et mon ordinateur me dit que ça ne peut pas s'ouvrir. Et je vois comment tout le monde dit dans le groupe, magnifique rapport. J'ai dit que, mais vous êtes des fantômes. Moi, je n'arrive pas à ouvrir ce document. Comment vous avez fait pour lire? Il te faut tel logiciel. Voilà, j'ai un autre problème. C'est-à-dire qu'il faut installer le logiciel. Est-ce que tu sais l'installer? Si oui, très bien, tu vas toi-même chercher, tu installes. Si tu ne sais pas le faire, ça devient un autre problème que tu as, pour lequel tu dois payer. Et parfois, c'est un logiciel payant. Je prends peut-être l'exemple. Si tu veux installer la suite Office ici, il y a deux possibilités. Soit tu payes, soit tu craques. Combien de personnes savent craquer? Très peu. Surtout sur Mac. Ça veut dire que vous allez certainement payer une licence. Si vous savez même comment ça se paye. Oui, il y a des gens qui ne savent pas comment ça se paye. On peut faire l'exemple maintenant dans la salle. Si je prends quelqu'un et le mets devant et dit « Va payer la licence Microsoft », les gens vont transpirer. Qui connaît payer la licence Microsoft sur Apple? Voilà. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc, vous allez payer encore pour ça. Et on n'est que sur la licence Microsoft. Ce n'est pas tout ce qu'il faut. Vous voyez qu'on vous a vendu, en fait, un produit qui va vous créer trop de problèmes. Parce qu'après, il faut les écouteurs. Sauf que tous les ports sont type C. Il n'y a que des ports type C. Vous allez faire comment pour connecter les écouteurs dessus? Soit vous achetez des écouteurs type C qui sont très récents, qui coûtent cher. Soit vous achetez un adaptateur et que vous êtes en train de dépenser l'argent. Et ce n'est pas n'importe quel adaptateur. Il faut un adaptateur qui fonctionne avec le MacBook Air. J'en ai un qui est dans mon sac là. Si... Bon, c'est pas important. Il y a l'adaptateur qu'il faut mettre là. Mais là, j'ai pris l'exemple des écouteurs. Vous pouvez vous dire que la musique ne m'intéresse pas. Je vais suivre la musique qui sort de là. OK. Vous avez votre ami qui a une nouvelle formation. C'est-à-dire, par exemple, cette formation est en train d'être prise en vidéo et elle sera disponible en vidéo après. Ça veut dire que vous auriez l'opportunité de pouvoir acheter cette vidéo et de pouvoir la suivre. Sauf que quand vous arrivez au siège de Startup Academy, vous voulez récupérer la vidéo et la personne qui veut vous donner la vidéo vous donne un disque dur externe HDD. Ce sont les disques durs, les anciens disques durs, dont la sortie n'est pas compatible avec ses entrées. On vous donne le disque dur, on dit, monsieur, copiez la formation. Vous prenez, vous voulez connecter, vous voyez que ça n'entre pas. Tu dis, mais mon frère, on fait comment? Il dit, oh là là, c'est le Mac. Il faut l'adaptateur. Ça coûte 25 000. Tu fais comment? Tu achètes l'adaptateur. Et si tu fais l'erreur d'acheter un mauvais adaptateur, parce qu'il y a des adaptateurs qui n'ont pas plusieurs sorties. Il y a des adaptateurs, par exemple, qui peuvent juste prendre des câbles type C, des câbles USB 3.0, 3.1, mais qui ne peuvent pas prendre le câble HDMI. Voici ce qu'on appelle le câble HDMI. Il y a des adaptateurs qui ne prennent pas ça. Donc, si tu as acheté un adaptateur qui ne prend pas ça et tu as préparé ta présentation, tu arrives pour faire ta conférence, on dit, voilà, monsieur, connectez votre ordinateur. Et dès que tu arrives, tu veux connecter, tu dis, hey, j'ai l'impression que... Ça ne prend pas.
On dit, monsieur, vous n'avez pas le bon adaptateur, voici ce qu'il vous faut. 55 000. Au départ, on était parti sur un ordinateur de peut-être 500 000, mais vous êtes en train de dépenser près de 900 000. Et ce n'est pas terminé. Parce que le jour où vous allez ouvrir votre ordinateur, ça ne s'allume pas, ça reste sur la paume. Vous dites que ouais, mon ordinateur ne s'allume plus. C'est un autre paiement qui va intervenir. Vous voyez comment avec un produit, si on évalue bien ce qui rapporte plus d'argent à ces gars, ce n'est pas l'ordinateur. Ce sont les services qui tournent autour de l'ordinateur et les produits. Alors que vous, chaque jour, vous vendez juste votre produit. Et vous comptez à la fin de la journée, on a vendu telle quantité. Et vous êtes content. Non, vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de réfléchir sur les autres produits, les autres services qui tournent autour de votre produit. Bienvenue dans le Claudel Nombissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Nombissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la troisième chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois, j'ai envie de dire par semaine, ou trois fois par semaine, ou quatre fois par semaine, ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Nombissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les trois principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Nombissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Nombissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Nombissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en réalité dans tous les coins du monde.
nous retrouvons les membres du Claudel Noumbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en image et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Soyons armés car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureau dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Noumbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Noumbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 euros pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Noumbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement, si vous écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Noumbissier Business Group, nous allons vous contacter. Nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique, afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Noumbissier Business Group ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Noumbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.